wagon-citerne était là, lourd, noir, de plus en plus gros, de plus en plus proche, et finalement si près que je pouvais les toucher en posant la main sur leur surface froide, métallique, rugueuse et légèrement rebondie. Le carré de tissu unique sur lequel Flavio appliquait déjà l'embout de son aérosol, la peinture libérée dans un sifflement de gaz s'échappant de son emprisonnement, les couleurs prêtes à couvrir de leur signification particulière ou de leur identité tout ce qui est interdit, convention, injustice, mépris, pesait sur les villes et les normes de la vie. J'ai entendu le déclic d'un briquet et, à sa brève lueur, j'ai vu un visage mince, brun, dont le menton n'avait pas connu le rasoir depuis plusieurs jours. J'ai vu aussi un de ces sourires pour lesquels il faut avoir 2 fois 20 ans avant que la vie ne vous le dessine ainsi sur les lèvres et dans le regard. Et alors, comme une révélation brutale, j'ai su que j'avais rencontré Sniper. Ce serait, ai-je imaginé, une fresque spectaculaire, vue de la courbe à la lumière des phares de la rame. Le conducteur la verrait le temps suffisant et les passagers passeraient tout près en admirant cette espèce de blessure couleur rouge sang pratiquée dans le